Matthieu 14, verset 31. Je vais lire à 30. Mais il voyait que le vent était fort, il a eu peur. Comme il commençait à foncer, il cria, « Seigneur, sauve-nous !» 31. Aussitôt, Jésus attendit la main, il est saisi, il lui dit, « Homme, un peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Bien-aimé, c'est comme les disciples, ils étaient des temps où ils avaient peur. Mais Jésus était avec nous. Jésus avait été avec eux. C'est la même chose comme pasteur a parlé hier. L'ennemi qui nous dérange, c'est la peur. Aujourd'hui, je vais parler de notre ennemi encore, c'est les doutes. Les doutes, c'est aussi l'ennemi qui vient nous déranger et l'impiété. Aujourd'hui, je vais donner doute et l'impiété, c'est notre ennemi. L'ennemi qui vient pour nous donner l'incertitude. C'est l'ennemi qui nous amène des désagréables pour que Dieu ne nous visite pas, pour que nos promesses ne soient pas accomplies. Cet ennemi-là qui est doute, c'est l'incrédulité. Le doute, c'est l'incrédulité. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a l'incrédulité. Et l'ennemi va prendre tout ton cerveau. C'est comme les disciples, ils étaient avec Jésus. Mais ils ont eu peur. C'est comme pasteur nous a prêché mercredi. La peur, c'est leur ennemi. L'ennemi des disciples était la peur. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à s'enfoncer. Ils ont commencé. Quand on a peur, c'est ça qui nous déconnecte de la volonté de Dieu. Et il a parlé de la peur. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais ajouter, que l'homme intérieur aussi, les doutes et l'impureté, c'est l'ennemi intérieur. C'est l'homme intérieur qui doute et qui a l'incrédulité. Ça ne nous donne pas l'accès de vivre la main de Dieu ou le miracle de Dieu ou la promesse de Dieu soit accomplie dans notre vie. Béni soit le nom du Seigneur. Nous savons que notre ennemi qui est le doute, qui est la peur, qui est l'impureté. L'impureté, ce sont la vie du péché. Doute et l'impureté, c'est quelque chose d'autre. La peur aussi, c'est quelque chose d'autre. Celui qui doute, c'est celui qui a les sentiments d'incertitude. Celui qui n'est pas certain à ce que, ou la promesse, ou la parole de Dieu que la personne est en train d'écouter. Ça paraît toujours dans son cerveau, au niveau des cerveaux, que la parole est restée. Parce que la personne raisonne sur lui-même. Il raisonne parce que Dieu, il est puissant, il est le Dieu des signes naturels. Nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu à nous. La parole de Dieu, c'est la parole qui est certaine. Mais si qu'on a des émotions, des doutes à nous, ça nous amène des sentiments désagréables. On ne peut pas avoir encore la foi de croire comme les disciples. Ils étaient avec Jésus, ils étaient avec Dieu tout près, mais ils ont eu peur, ils avaient encore des doutes. Beaucoup de gens, nous venons dans les églises, nous venons prier, nous voulons écouter la parole de Dieu, nous sommes toujours là, mais nous avons dans cet état d'enfoncer parce que nous avons peur, nous avons cet état encore, de douter encore. On a dit que cette année, c'est une année convenable, appropriée. Mais nous avons encore des doutes, nous amènent encore des inappropriés. Nous ne sommes pas certains des promesses que Dieu nous donne. Nous sommes encore en train de tourner à rond. Aujourd'hui, tu crois et demain, tu ne crois pas. Mais même si les épreuves arrivent, même si Dieu t'a donné la promesse, il faut garder la foi. Garde ta foi, je te dis. La foi, c'est une montagne qui aide un chrétien à vivre des grandes choses. Parce que la foi, c'est un sentiment que Dieu aime en nous. Quand nous avons la foi, ça nous donne la force, ça nous donne l'énergie, ça nous donne la capacité. Mais celui qui doute est celui qui a les sentiments négatifs et celui qui a les sentiments faibles. Et tu deviens comme quelqu'un que le diable peut manipuler quand il veut. Parce que quand on a ces sentiments-là, ces sentiments d'incertitude, nous avons des pensées négatives, les expressions négatives dans notre bouche et tout ce que nous parlons, nous ne le croyons pas. Et celui qui a aussi la vie de l'impureté, c'est comme quand Jésus disait, il disait toujours, sois guéri, que tes péchés soient pardonnés. Il chassait, il menaçait l'esprit impur. Il menaçait toujours l'esprit impur pour dire que nous n'avons pas besoin cette année de vivre encore dans l'impureté. Nous avons besoin de garder la sanctification en nous et de craindre Dieu et de marcher dans la sanctification et dans la repentance. Parce que tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, je ne sais pas comment l'homme peut décrire la situation qui arrive. Tu vois que nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin de menacer l'esprit impur de ne pas agir en nous. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen. Parce que les doutes, c'est un sentiment d'incertitude.
Ce sont des expressions de la personne. La personne, tu veux les regarder comme ça, son visage donne des expressions négatives. Tu vois que la façon que la personne reçoit la parole ou la façon que la personne même est en train d'exprimer ce qu'ils reçoivent. Tu vois qu'il y a d'autres personnes, le cerveau n'est pas vraiment motivé de comprendre les choses spirituelles plus profondes. Parce que moi, je parle de ce qui est spirituel, je ne parle pas de physique. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes, même quand ils écoutent la parole de Dieu, ils attendent comme ça devient désagréable. Ils n'attendent pas la parole de Dieu comme il faut, parce qu'il y a encore des choses en nous qui sont impures, que nous avons besoin de prendre soin dans notre vie chrétienne. Parce que l'ennemi premier de ta vie, je te dis, c'est le doute. Ton ennemi deuxième, c'est l'impureté. On avait déjà reçu la peur. Donc aujourd'hui, je vais te dire, il faut menacer les doutes dans ta vie, menacer l'impureté, parce que c'est incertitude. Ça ne te donne pas accès, c'est de l'incrédulité. Ça ne te donne pas l'accès d'écouter la parole de Dieu et vivre les miracles et la grandeur de Dieu dans ta vie. Quelqu'un peut dire avec moi un bon amen. Dis un bon amen avec joie. Ça, c'est le plus ennemi qui agit dans l'homme intérieur. Parce que tu as passé des blessures, tu as passé des troubles de la jeunesse, ou tu as passé des moments très difficiles dans ta vie, ou tu as passé des déceptions, ou tu as les sous-estimations, tu te sous-estimes toi-même. Et toutes ces choses-là, ça fait un paquet qui t'amène que dans ton cerveau, tu n'as que des doutes. C'est comme ça que beaucoup de gens, cet esprit les amène la sensibilité, ils arrivent dans l'anxiété, ils arrivent dans la dépression, et un cycle de lois de doutes qui commence à agir en toi, tu deviens dans le cycle des lois de l'impureté. Donc il y a d'autres personnes, leur corps encore dans l'image de l'impureté, mais Jésus disait, je menace l'esprit impure de sortir dans notre corps. Parce que si à nous, il y a encore l'impureté, la main de Dieu ou la gloire de Dieu ne va pas descendre pour agir. Alléluia. Tu as besoin de prendre l'autorité et de chasser l'esprit impur. L'esprit impur, c'est la vie du péché. L'esprit impur, c'est manque de confiance à Dieu. L'esprit impur, de ne pas servir Dieu dans la négligence. Ça, c'est l'esprit impur. Quand quelqu'un sert Dieu dans la négligence, ça veut dire que tu es dans l'impureté. Mais celui qui vient à l'église, qui écoute la parole de Dieu, a la crainte de Dieu, a l'esprit pur. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu avec humilité, à l'esprit pur. Parce qu'on dit, la gloire précède, l'humilité précède la gloire. Mais celui qui a l'esprit de l'impureté, ce sont les gens qui sont dans des doutes, ils ont des sentiments désagréables, ils ont des esprits impurs. Toutes ces choses-là, ça prend un paquet pour vivre dans une personne. Et toutes ces choses-là, ça t'amène pas à vivre la délivrance. Nous avons besoin de chasser l'esprit impur. Que tout sentiment incertitude qui est à nous, qui agit à nous à ces temps ici, regarde, nous faisons que confiance à Dieu. Le monde, tout, nous faisons confiance à Dieu. Maintenant là, il n'y a plus rien d'autre. C'est le temps que Dieu vient coincer l'humain. Il veut nous coincer l'humanité. Il veut que nous tous nous retournons vers lui. Il veut que nous tous nous venons vers Dieu. Nous venons vers Dieu. C'est seulement lui qui est la solution. Et lui qui peut protéger. Et lui qui peut guérir. Et lui qui a tout. Mais quand on a le système de doute, c'est un des sentiments d'incertitude qui met des cycles, des lois à établir. Parce que l'homme intérieur a déjà fait des bases, des lois à établir. Il va t'amener la peur, il va t'amener la vie de peur, de pensées négatives. Il va t'amener l'esprit de l'impureté. Parce que quand il dépose des lois, il fait les cycles de l'impureté. C'est comme ça. Tu vois, les choses mystiques, souvent, on ne peut pas les voir quand on n'a pas les yeux spirituels. Et l'esprit impur, ce sont des choses mystérieuses qu'on ne peut pas toucher parce qu'on ne peut pas voir ce qui est mystique. Mais ça vient réagir dans la vie d'une personne. Si la personne n'est pas en temps de chercher Dieu dans la profondeur, il y a beaucoup de gens, ils sont sauvés, ils sont dans les églises. Oui, ils connaissent Dieu. Mais ils ne réalisent pas qu'il y a encore des esprits impurs qui agissent en eux. Parce qu'ils ont camouflé, les diables s'est caché à leurs yeux. Nous avons besoin de détruire cette loi des cycles de doutes, loi des cycles d'incertitudes, loi des cycles de péché. On va détruire toutes ces lois-là, ce sont des impuretés. Ce sont des choses inappropriées qui fait déjà loi établir. Mais parce que tous ces sentiments-là, sentiment de doute vient dans les sons. Il y a d'autres personnes, le doute vient parce que tu as grandi dans un milieu qui n'était pas correct. Tu n'as pas eu de bonne éducation de base. Et toutes ces choses-là viennent t'attraper à un certain âge.
Parce qu'il y a d'autres personnes, ces choses-là sont dans leur cerveau. La façon que les gens doutaient de toi, de tout ce que tu faisais, ils ne t'encourageaient pas. Ça peut faire aussi des lois et des cycles établis. Mais nous avons qu'en Christ, on va détruire aujourd'hui toute loi des cycles de peur, cycle de doute et de l'impureté que le diable avait planté en nous pour exercer l'impureté et bloquer nos vies. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alléluia. Nous voulons chercher Dieu dans la profondeur. Nous voulons chercher Dieu dans la grandeur. Nous restons plus artificiels. Dieu n'est pas dans la grandeur. Parce que celui que son Dieu ne cherche pas le temps de chercher Dieu, d'aller chercher Dieu ou de désirer plus de Dieu, ne peut pas connaître que les choses cachées, mystérieuses dans son corps. Ton corps est en toi, mais tu ne connais pas les choses qui vivent en toi. Tu ne connais pas qui agit en toi. Et ça te ferme même les yeux. Les doutes et l'incrédulité, ça mène la désobéissance, ça mène la tête. Yes. Tu sais, les gens qui ont des doutes, ils sont tellement la racine de désobéissance. Ils n'écoutent pas parce que le doute les a bloqués. Ça fait déjà loi dans leur cœur. Et tu vois que la personne commence à refuser tout conseil. Et ça mène l'incrédulité. C'est un sentiment. Qu'un sentiment que la personne s'est positionnée à dire, je ne veux pas que personne me conseille. Je ne veux pas que personne me parle de ça. Je ne veux pas changer. C'est quelqu'un qui a pris déjà des bases de lois établies de l'homme intérieur, des blessures de sa jeunesse. Blessures de là où tu as grandi. Blessures où les gens t'ont saboté et tu l'as laissé dedans. Et maintenant, ça va faire des cycles désagréables. Tu deviens quelqu'un violent. Tu deviens quelqu'un agressif. Tu deviens quelqu'un avec des caractères qui n'est pas convenable. Des caractères deviennent inappropriés. Et c'était la personne, quand on le corrige, il boude. Tu vois l'esprit de boudage dans le visage d'une personne. Ça, ce sont des gens qui ont des cycles de doutes que le diable a déjà établi dans leur vie. Le diable a déjà conçu cette maison. Mais nous, nous voulons aller dans la profondeur aujourd'hui. Si tu veux aller dans la profondeur, le Seigneur va t'aider à te faire ouvrir les yeux, comme la parole de Dieu nous dit. Tout ce qui est caché est révélé. Il va te révéler les choses qui t'ont tourné à rond. Peut-être qu'aujourd'hui, tu gênes, tu pries, tu fais ce que tu fais, mais il y a encore un cycle de loi établi de l'homme intérieur qui est installé en toi, qui circule encore dans des doutes, dans l'incrédulité, qui amène encore l'impureté de faire un cycle. Tu vois quelqu'un qui prie, qui rêve tout le temps, mais le mari de nuit ne quitte pas. Ça veut dire que c'est un cycle. Si quelqu'un voit toujours les désirs des sentiments désagréables continuer à fonctionner, ça veut dire que ce n'est plus encore des sentiments réels. Ça devient un cycle établi dans l'homme intérieur qui est dans les émotions de l'âme. Parce que dans l'âme, c'est là où il y a des émotions. Mais toi, tu ne sauras pas avec physiquement. Parce que l'âme est spirituelle, on ne peut pas les toucher. Parce que si quelqu'un déjà, toutes ces lois ici, est déjà établie dans la vie d'une personne, la personne devient sous contrôle de son ennemi. L'ennemi te contrôle parce qu'ils savent que tu as la peur, tu as des doutes, tu as l'impureté. Là, ils trouvent le porte d'accès que tu leur donnes pour qu'ils viennent assis en toi et agir et laisser ces lois et les commandements dans ta vie. Mais celui qui a cru, c'est Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. On va lire Matthieu 13, verset 44 à 46. Qu'est-ce que ça nous dit? Je veux que quelqu'un qui va réaliser aujourd'hui de détruire tous les cycles que le diable a plantés en toi. Il y a des cycles que le diable a plantés dans l'homme intérieur qui t'a fermé les oreilles, qui t'a bloqué tes oreilles de ne pas comprendre. Alléluia. C'est comme quand quelqu'un en avait... La personne dormait pendant que les gens dormaient. Son ennemi vient, il sème l'ivresse. Il va semer le mauvais. Il dit l'ivresse est semée quand on dort. Donc l'impureté est semée quand quelqu'un est en train de dormir. Parce que quand tu dors, ce n'est plus toi qui es au contrôle, mais c'est ton âme qui agit. Donc le diable va se cacher au niveau de l'âme pour venir semer quand tu dors la nuit. Il y a des esprits impurs qui viennent la nuit, qui viennent visiter ton corps sans que tu tiennes, qui viennent te souillir pour voler la gloire de Dieu. Bien aimé, il faut faire attention. Parce qu'on peut faire de la force de prier, de jeûner, à recevoir la gloire. Est-ce qu'on garde cette gloire-là ou on la laisse au merci du diable? Parce qu'il y a des sentiments, il y a des choses, il y a la vie des péchés qui donne l'accès au diable de venir établir ses lois et de voler la gloire de Dieu à nous. Oh, Rachekere Baba. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amen?
Pendant que les gens dorment, son ennemi vient semer l'ivraie. L'ivraie, on les sème la nuit. Quand quelqu'un dort, on va lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? À 44, béni soit le nom du Seigneur. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans une chambre. L'homme qui l'a trouvé le cache. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a acheté les champs. 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche les belles perles. 46. Il trouve une perle de grand prix. Il alla vendre tout ce qu'il avait. Il acheta. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche les belles perles. Les perles, ce sont des bijoux précieux. Ce sont des matières précieuses qui ont la qualité, qui ont la qualité extraordinaire. Les perles, ce sont des reines qui portent. Souvent, ce sont des reines et leur couronne est faite avec des perles. Parce que ce sont des positions qui sont bien positionnées dans une royauté. Les perles, ça montre que les gens qui sont dans un royaume. Et dans la royauté, c'est la personne qui porte les perles, c'est la reine, les reines. La reine porte, il porte les perles. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Christ est notre Dieu, il est notre roi. Et nous sommes dans le royaume de Dieu comme ses enfants. Donc nous sommes droits de porter les belles perles à nous, qui est le caractère, qui est le comportement. Parce que Jésus a dit, c'est comme un homme qui trouve les perles de grand prix. Il dit d'abord, il va aller vendre tout ce qu'il avait. Il faut abandonner la vie du péché. Il faut abandonner toutes ces choses. Il faut aller laisser des choses là. Laisse tout ce qui est mauvais. Commence à dire le Seigneur, je vais abandonner tout le mal. Je ne veux plus l'impureté dans ma vie. Ça, c'est le temps de la repentance. Les choses dans ce monde, c'est plus encore le temps que quelqu'un te vient supplier. Tu les vois avec tes yeux. C'est toi de faire le choix d'entrer dans le royaume de Dieu ou quel choix que tu veux faire. C'est toi qui as le choix de choisir. Parce que le monde que nous sommes aujourd'hui là, on n'a même pas besoin de te prêcher parce que la nature te prêche tellement bien. Dis avec moi un bon amen. Cet homme, on a dit, royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve, le cache. Donc la vie de Dieu, c'est un trésor caché. Il faut l'homme, chrétien, nous avons besoin de chercher la maturité. Aller chercher les plus voleurs, que nous sommes les enfants de Dieu. On peut pas rester artificiel. Aujourd'hui, les chrétiens sont artificiels. Ils portent que l'image que nous sommes chrétiens, ils prennent l'identité artificielle pour se montrer aux gens que je suis chrétien, mais à l'intérieur, ils ne le sont pas. Mais celui qui va trouver le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il faut chercher ce qui est en valeur. Jésus est notre valeur. Et Jésus a payé le prix. Il a payé, il a trouvé une perle de grand prix. Jésus a payé le prix. Jésus est la perle de grand prix. Il a payé le prix pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous donner cette valeur. Il s'est accepté de devenir la vie du péché, d'accepter d'être pécheur pour que nous récoltions cette grâce. Parce qu'il nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. On a dit, ce trésor est caché. Quelque chose qui est caché, il faut le chercher. Donc le royaume de Dieu nous demande d'aller chercher, d'aller aller dans la profondeur, de ne pas te garder artificiel. Il faut aller plus créer, il faut aller plus profond et connaître que ta vie et connaître que ton état d'âme et de connaître comment ta vie fonctionne. Parce que les chrétiens restent artificiels. C'est comme ça qu'ils n'ont pas des ailes, ils n'ont pas bonne volonté de venir à l'église. Parce que quand la vie chrétienne est artificielle, c'est normal. Tu vois pas que les gens ont les ailes de l'évangile. Les gens n'arrivent pas à aller évangéliser. Ils sont normaux. Mais celui qui cherche les trésors, il ne sera pas normal. Il va chercher où ça se trouve dans la joie. Il va chercher où ça se trouve. La personne va donner toute son énergie. Il vendra tout ce qu'il a acheté les champs. Cette champ, c'est le royaume des cieux. Il faut que nous mettons le temps bien-aimé à cet temps ici. Que nous partons vers la repentance. Il faut que chaque jour,
Tu commences à chercher la repentance. Chaque jour, tu cherches ta vie chrétienne d'être précieux, pas dans les yeux des hommes, mais dans les yeux de Dieu. Nous voulons vivre la sanctification comme un peuple qui veut être pur devant Dieu. Parce que si quelqu'un, même qu'on dit, tu sais que les pelles, ce sont des matières précieuses, il faut qu'on les prenne d'abord pour les travailler. On va lever l'impurité. On va les passer par les creusets ou par les fours pour enlever toute l'impurité. Il faut ôter l'impurité dans la vie chrétienne. C'est la vie du péché. Il faut ôter la négligence. Il faut ôter la faiblesse. Il faut ôter des raisons. Bien aimé, à ce temps ici, il n'y a pas raison. D'autres personnes, ils cherchent même le temps ici que tu as pour qu'ils viennent même à l'église. Mais toi, tu trouves raison. Alléluia. Est-ce que tu vas voir le prix des pelles de grande valeur? Comment tu l'auras? Parce que lui a été le pelle de grande valeur. Il s'est donné lui-même pour nous. Il n'a pas eu peur ni crainte. Il n'a pas douté pour nous donner cette vie. Mais aujourd'hui, le royaume des cieux, les gens n'ont pas encore cette bonne volonté. Nous venons seulement parce que nous venons, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais cette raison de te donner, même ce que tu as reçu, que tu penses que c'est fini, tu n'as pas rien reçu encore. Il faut chercher encore la profondeur. Parce qu'il y a encore des choses cachées pour toi. Parce que quand tu vas venir dans la profondeur avec Dieu, quand tu vas chercher Dieu dans la profondeur, tu vas chercher Dieu, tu vas lire la parole de Dieu, tu vas rester dans la sanctification. Bien-aimé, tu as encore les grands trésors qui sont encore cachés à tes yeux, que le diable t'a caché pour que tu ne les saves pas. Le jour que Dieu t'ouvrira les yeux, il va t'amener dans le domaine de la sanctification parce que quelqu'un qui cherche plus de Dieu, parce que ça montre qu'il faut que ces temps ici, nous cherchons plus de Dieu à nous, plus de désir de Dieu à nous, que Dieu soit à nous comme plus. Il ne faut pas que Dieu soit à nous moins. Ce n'est plus le temps, comme je vois, les gens ont plein de raisons ces temps ici. Les gens venaient à l'église, mais celui qui te garde, c'est Dieu. Même là où les gens peuvent aller au travail, ils ne trouvent pas qu'il y a le temps qui n'est pas bon. Les gens peuvent aller partout, mais quand venir à l'église, il va dire le tempérament, aujourd'hui le temps n'est pas bon. C'est exactement de ne pas connaître que Dieu dans la profondeur. Parce que comment tu peux aller dans d'autres choses, aller au travail, aller chercher les enfants, aller partout, qu'on peut aller à l'aise. Mais quand c'est le temps de venir à l'église, les gens ont plein de raisons. Est-ce que tu es une pelle de valeur? Est-ce que vraiment tu comprends vraiment que tu as la valeur? Ou tu veux chercher Dieu? Mais non, même dans les épreuves, même dans les circonstances, il faut mettre la profondeur. Alléluia. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. C'est comme ça que tu vois aujourd'hui les gens qui persévèrent, les gens qui regardent pas les tempéraments, qui regardent pas toutes les réalités qui passent les épreuves. Ils avancent dans la présence de Dieu. Mais les jours que Dieu les bénira dans la joie, il y a des gens qui commencent à se jalouser. Oh, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Non! Cherche Dieu dans la profondeur. Cherche Dieu dans la maturité. Cherche Dieu à le connaître encore plus. Parce qu'en connaissant Dieu plus, le péché commence à, la personne commence à abandonner la vie du péché. Même l'ivraie qui va venir s'aimer sur toi la nuit, l'ennemi ne viendra pas s'aimer l'impureté en toi. Dès qu'il viendra, tu vas te réveiller parce que ton corps devient pire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pelle symbolise la pureté, humilité et la crainte de Dieu. Quand nous avons la crainte de Dieu, quand nous avons la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons Dieu, on va trouver la grande valeur de Dieu à nous. Parce que Dieu s'est déjà donné à Golgotha un grand prix. Il a donné son sang pour nous. Ça, c'était le plus grand valeur que Christ nous a donné pour que nous marchions dans la sanctification et que notre corps soit propre, que notre âme soit propre. Le moment que Dieu est disponible, il peut venir pour nous bénir. Il peut amener les trésors que nous avons besoin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore la pureté dans les églises. Les gens n'ont plus encore, ils demandent tout le temps. Demande aussi, Seigneur, sanctifie-moi. Demande, Seigneur, enlève-moi l'impureté qui est cachée en moi. Eh, Seigneur, montre-moi les yeux. Quel péché qui vit encore? Est-ce qu'on peut changer la façon de prier pour aller chercher cette trésor caché? Parce que les églises vivent encore dans l'impureté. Les gens sont encore impurs. Parce qu'il y a encore des démons, il faut menacer. C'est l'impureté, il faut chasser. Tu sais pas qui est à côté de toi, qui t'a approché. Il faut faire attention. Parce que l'impureté, c'est un contact. Contamination. Tu sais pas qui t'a approché, qui est venu à côté de toi, il t'a tiré quoi? Qu'est-ce que la personne est venue t'approcher pour t'attirer quoi? La nuit, tu sais pas, qui cherche à penser pour venir souillir ton corps?
hein, comme l'ivraie que le diable vient poser en toi. Parce que nous ne cherchons pas la sanctification. Nous ne cherchons pas à être propres. Nous ne cherchons pas à servir Dieu. On n'a pas plus soif en nous. Bien-aimé, si tu as soif, mais la tempête, tu ne verras pas. Tu seras un aigle. Tu vas même marcher. Il n'y a même pas la tempête, mais les gens vont donner la raison. Mais parce que les gens ne comprennent pas les plus grands voleurs que Dieu nous a donnés. C'est caché quelque part. Mais ça te demande de prendre la décision de venir vers ce Dieu-là. Ah, poussez avec moi les cris de joie, peuple de Dieu. Ça, c'est le temps. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Si on ne se met pas debout d'aller chercher dans les champs où le trésor est caché, on ne l'aura pas. C'est ça la vie de l'Église. C'est ça la parole de Dieu. Il faut marcher dans la sanctification. Les gens peuvent demander tout ce qu'ils veulent demander, mais les gens ne demandent pas « qu'est-ce qui est impur dans ma vie ?» Parce qu'il y a l'impureté que nous ne voyons pas, ce sont des esprits impurs. Parce que Jésus disait, au nom de Jésus, je chasse l'esprit impur de quitter ton corps. Parce que quand il y a l'impureté, la main de Dieu ne peut pas agir en toi. Il faut d'abord qu'il commence à chasser ce qui est impur. Bien-aimé, prends le temps de changer l'impureté. Chasse l'impureté dans ton corps. C'est les esprits mauvais et les esprits mystiques qui vivent dans le corps des gens. Il y a beaucoup de gens, ils se laissent au sentiment de l'incertain, des diables. Ils laissent leur corps au merci des diables de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais le diable va posséder ton corps à te cacher ce qu'il vient pour faire dans ton corps. Parce que comme je dis, l'ivraie est semée seulement la nuit. C'est là où le diable vient s'aimer. Il nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Qui veut ce trésor caché? Tu as besoin d'être pur. Tu as besoin d'être dans l'humilité. Tu as besoin d'avoir la crainte de Dieu. Si on trouve le pèle qui est un grand prix, vendre toute ta vie de péché. Vendre tout. Abandonne tout. Tu vas aller dans la profondeur avec Dieu. Tu seras étonné. Le Seigneur donne un grand prix à ceux qui les cherchent. Quand on les cherche, la façon de chercher Dieu ou d'aimer Dieu n'est pas de la même dimension. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent dans les champs, ils vont creuser plus profond, même aller trouver le pétrole, même aller plus profond de trouver quelle matière précieuse qui est dans cette terre. Mais si tu es artificiel, tu peux rien trouver, c'est juste des pierres qui sont pas de valeur. Les pierres qui sont des pierres qui n'ont pas de valeur est encore artificielle. Mais les pierres qui sont précieuses est dans la profondeur. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Alléluia. On va finir. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à Genèse 50? Genèse 50 nous dit quoi? Verset 15. Je vais lire vite. Je veux que tu comprennes que tu veux être pire. Symbole de perles. De perles. C'est symbole de pureté. Comme je t'ai dit, les perles sont portées seulement dans la royauté. Ce sont des reines qui portent parce que ton corps va garder la pureté. Tu vas être pur. Tu marches dans la crainte de Dieu. Dieu va te couronner. Il va couronner avec la couronne de perles sur ton corps. Parce que tu vis la sanctification. Tu ne veux pas laisser les sentiments désagréables toucher ton corps. Tu ne veux pas laisser ce qui est impur d'entrer dans ta vie. Non! Tu vois, quand les... moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui va réaliser que maintenant, je vais chercher Dieu dans la maturité. Il y a quelqu'un qui va dire, je vais chercher Dieu plus. Parce que dès qu'on part dans un champ, quelqu'un qui va creuser plus, il va trouver les plus choses cachées en bas. Mais celui qui est artificiel ne connaît pas sa vie, dans quel niveau que le diable le menace. Tu ne connais rien. Parce que comme je t'ai dit, les perles, c'est une matière, il faut aller plus creux pour les trouver. Mais les pierres, toutes les pierres sont juste artificielles. Tu peux marcher, il y a des pierres. On ne marche pas sur les diamants, on ne marche pas sur les perles, on ne marche pas sur les saphirs. On ne marche que sur les pierres inutiles. Diable va te, tu vas te rendre inutile sur la terre. La vie de péché te rend inutile. Diable va te massacrer. Il te prend qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'il va souiller ton corps. Il faut pas laisser les marques des diables souiller le corps des chrétiens. Aujourd'hui, on a plus la vie de sanctification. C'est qu'on n'a pas de choses étonnantes. On n'a pas de grandes choses qui étonnent Dieu. Parce que les gens ne veulent pas chercher Dieu d'abandonner la vie du péché. Les gens portent encore les choses désagréables. Mais les temps que nous passons, on n'a pas besoin d'être encore dans l'incrédulité, vivre encore des doutes, voir encore les esprits impurs en nous. Il faut menacer. Quand quelqu'un a les esprits impurs, tu n'as même pas soif de venir à l'église. Les raisons, il y a la profondeur n'amène pas des raisons.
Quand quelqu'un n'est pas dans la profondeur, il y a plein de raisons. Mais quelqu'un qui est dans la profondeur a beaucoup soif de Dieu, a plus beaucoup de Dieu. Celui qui a plus beaucoup de soif de Dieu, c'est celui qui cherche la maturité. Dis amen, moi, à un bon amen. On cherche plus de Dieu, pas cherche plus de ce, comment servir Dieu. D'abord, servir Dieu, ça demande d'abord d'être pire. On ne peut pas évangéliser parce que notre corps est impire. On n'arrive pas. On a une lourdeur de ne même pas. Diable nous mène la lourdeur quand la nuit tu dors. Tu es déjà désagréable. Alléluia. Mais Joseph avait la peur. Joseph avait la crainte de Dieu. Joseph a voulu marcher dans la crainte de Dieu. Je vais commencer à 15, on va finir pour prier. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph prenne en haine, nous rendrons tout le mal que nous lui avons fait. 16, ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. 17, vous parlerez ainsi à Joseph, oui, pardonne les crimes de tes frères, les péchés quand ils t'ont fait du mal, pardonne-les maintenant les péchés des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura en attendant ces paroles. 18, ses frères virent à eux-mêmes, ils se prosternèrent devant lui et dirent, nous sommes tes serviteurs. Tu sais la parole si s'accomplir. Rêve que Joseph avait fait, que les gerbes vont se prosterner. Les gerbes vont se prosterner devant Joseph. Il s'est posé comment ça va se faire. Mais cette chemin des épreuves l'a amené. Il faut passer. La profondeur ne vient pas comme ça. Il faut passer cette chemin. La révélation peut être là, mais la révélation ne s'accomplit pas. Il y a un chemin de démonstration. Dans les chemins de la démonstration, on l'a jeté aussi dans les citernes. C'était l'épreuve. Mais le Seigneur est venu le sortir parce que Joseph avait dans la recherche de trouver le prix, des grands prix qui est Dieu. La crainte de Dieu, c'est un grand prix. Quand on a la crainte de Dieu, on a une grande valeur devant les yeux de Dieu. Et cette valeur, Dieu va nous distinguer. Parce que dès qu'on a la crainte de Dieu, on est humble, on a l'obéissance, on a la foi, on ne va pas douter. Alléluia. Et ses frères est venu se prosterner. Il nous dit à 18, ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ça se fait la révélation qu'il avait. Lui, Joseph avait rêvé que les gerbes vont se prosterner devant moi. Ça s'accomplit. Mais regarde le temps que ça s'accomplit. Le temps que Dieu avait donné la révélation que Joseph avait rêvé. Et ses rêves deviennent réels. Le temps qu'il a pris, les combats qu'il a pris et tout ce qu'il a amené que ça soit accompli dans la manière de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. 19, Joseph le dit, soyez sans crainte quand je suis à la place de Dieu. 20, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver ma vie et un peuple nombreux? Alléluia. Vous m'avez médité le mal, mais Dieu a changé le bien. Celui qui craint Dieu, même si les gens méditent du mal, Dieu changera le bien pour toi. C'est la crainte de Dieu et la maturité, la piété qui est en nous. Tout le complot que le diable va faire, ses frères ont médité. Les gens disent, va presser d'aller entrer. Garde le temps, les choses vont se faire au temps de Dieu. Dis un bon amen. Il y a toujours un temps pour tout que Dieu va permettre. Dieu a permis aux frères de Joseph. Dieu l'a travaillé Joseph. Dieu a mené Joseph dans une position bien classée. Dis alléluia. Il ne pouvait pas encore rester Joseph d'en bas. Il fallait que Joseph soit bien positionné pour que ses frères voient ce que les mal ont changé en bien. Ils vont voir qu'ils ont voulu que Joseph échoue, mais Joseph a réussi. Là, ils vont se prosterner devant toi. Ah, poussez les cris de joie. Toutes ces choses-là vont se faire quand nous avons la crainte de Dieu en nous. Si nous sommes propres dans la présence de Dieu, si nous avons l'obéissance en nous, nous avons la foi, ces choses se feront. La promesse changera et s'accomplira. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous m'avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé du bien. Les ennemis de Joseph et se prosterner devant Joseph. Dis cette soirée, comme j'ai la crainte de Dieu, mes ennemis vont se prosterner devant moi. Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ,
La crainte de Dieu t'amène à la maturité, de la profondeur. Joseph a cherché Dieu. Il a vendu le péché. Il a dit à la femme de Potiphar, je te donne les habits, vends avec. Moi, je garde mon corps pire parce que Dieu a la promesse d'accomplir avec mon corps. Tu ne peux pas souiller mon corps, je t'abandonne tes habits. Vas-y, je te vends. Prends la vie du péché. Moi, je ne vais pas. Tu veux vendre la vie du péché aujourd'hui? À Golgotha, Jésus a vendu, tout a été déposé à Golgotha. Le sang de Jésus a été un grand prix pour nous racheter. Dis un bon amen. Pour accomplir ce qui arrive, aujourd'hui, je te dis aujourd'hui, toute méditation du mal changera en bien pour toi. Si toi, tu as la crainte de Dieu aujourd'hui, les frères de Joseph, ils ne pensaient pas que les choses-là pouvaient arriver. Mais comme Joseph avait la crainte de Dieu, Dieu a fait distinguer Joseph. Comment Dieu peut te distinguer? Il faut chercher ce qui est en valeur. Joseph savait que je suis dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas porter l'impureté. Aucun sentiment. Bien-aimé, je te parle aujourd'hui, la maturité domine, que Dieu domine plus en toi. La maturité en profondeur nous amène que Dieu soit plus en nous. Toutes ces choses viennent après Dieu. Quand tu vois quelque chose de sentiment prend plus que ton Dieu, il y a un problème dans la vie d'un chrétien. Il n'y a rien qui peut dominer la place de Dieu. Parce que le frère de Joseph, c'était sa famille. Il n'y a rien. Ils ont vendu Joseph. Ils l'ont fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont médité le mal. Mais Dieu a changé en bien. Ce n'étaient pas les gens du dehors. Si ses frères pouvaient être comme ça, et puisque raison, c'est que nous racontons dehors, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ton ennemi, tu le vaincras. Tu vas vaincre ton ennemi. Toute bataille qui viendra, la crainte de Dieu va t'amener à la dimension de vaincre ton ennemi. Même si l'ennemi s'est caché dans quel niveau, tu vas le découvrir ton ennemi. Parce que dans les champs, même s'il entre dans ta maison, même s'il entre dans ton corps, tu seras capable à détecter l'ennemi de ta vie. Quelqu'un veut dire avec moi un bon amen. Dis avec moi un bon amen. Dis avec moi un bon amen avec joie. Les frères de Joseph, ils ont resté à dire que non, notre frère, on a vendu. Mais la crainte de Dieu a distingué Joseph. Moi, je veux qu'aujourd'hui, tu prends valeur. Quelle place que tu donnes à Dieu? C'est comme ces marchands qui avaient de belles pelles en valeur, qui est les matières précieuses. Tu as trouvé les places qu'on a jetées, les matières précieuses en route, mais tout le monde va aller les ravager vite, les prendre. Mais il y a toutes les pierres dehors. Tu ne vas pas là où on a jeté les diamants. Tu ne les vois pas avec les yeux. Tu ne vois pas saphir jeté dehors. C'est des choses précieuses. Ta vie chrétienne est plus précieuse que tout ça. Parce que si tu veux ce que tu veux dans ta vie t'accomplir, je te parle aujourd'hui, chasse, menace l'impureté. Menace la vie du péché. Prends la place, donne à Dieu. Débarrasse-toi de tous les sentiments désagréables et incertitudes qui étaient en toi. Débarrasse-toi des doutes. Débarrasse-toi de l'échec, de la peur qu'on passera à prêcher. Tu seras victorieux devant ton ennemi. Ton corps, si tu dis mon corps devient la marque de Dieu, le Seigneur agissant en toi d'une manière incroyable. Les gens ne sauront pas ce que Dieu fera avec toi. Je veux que quelqu'un se mette debout. On veut d'abord inviter le feu. Commence à menacer l'impureté. Au nom de Jésus, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et tout puissant de nous. Le nom de Jésus va menacer ton ennemi cette soirée. Menace-les. Menace l'impureté. Nous menaçons les négligents dans cette église. Commence à menacer l'impureté. Menacer la vie du péché. Menacer les gens. Au nom de Jésus, menace-les. Arrache, kere baba. Commence à menacer l'impureté. Menace au nom de Jésus. Ce n'est pas chaque jour que tu pries. Je vais être guéri. Mais l'impureté en toi, il faut que ça soit d'abord saché. Il faut que tu saches d'abord que tu vas refuser l'impureté. Chasse-le au nom de Jésus. Dis, je menace. Parce que Jésus, quand les disciples doutaient, Jésus a menacé le vent. Il a dit, j'arrête le vent. Et le vent était stoppé. Toi aussi, menace l'impureté. Toute impureté que le diable te jette dans ton corps. De mauvais caractères, de mauvais comportements.
de la vie du péché. Commence à chasser l'impureté de nuit. Chasse les femmes de nuit, les maris de nuit qui veulent déposer les semences de l'impureté, des livraisons qui veulent semer dans ton corps pour que ton corps soit souillé. Commence à chasser au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui veut chasser l'impureté dans sa vie. Il y a quelqu'un qui veut chasser l'impureté. Commence à chasser au nom de Jésus. Jésus disait, où tu sois guéri, où je chasse l'esprit impur, de tout esprit impur qui vivait en moi, l'ennemi qui est doute, l'ennemi qui est l'esprit impur, je te chasse dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, chasse toutes les mains impures qui t'a touché, qui a laissé les marques dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta conscience, dans les subconscients, chassez, menacez les esprits impurs, au nom de Jésus, qui avait possédé ton corps, qui est le doute, qui est l'anxiété, qui est la dépression, qui est la maladie, les blessures intérieures. Commence à les chasser. Dis au nom de Jésus, j'ai chassé les blessures intérieures de sortir mon corps. Au nom de Jésus, commence à chasser. Rabaché kereba santa, rabaché kereba santa. Rabaché kereba santa, rabaché kereba santa. Commence à chasser. Chasse au nom de Jésus. Commence à chasser tout esprit impur. Chasse l'esprit impur qui t'a déposé des sentiments, mauvais sentiments en toi. Au nom de Jésus. Commence à chasser toutes les symboles des esprits impurs qu'on a posés dans ton sang, qu'on a posés dans ton âme, qu'on t'a posé dans ta conscience. Au nom de Jésus. Et si quelqu'un veut chasser les symboles impurité que le diable a posé dans ton corps, commence à chasser. Annuler toutes les signes des symboles de l'impureté que le diable avait laissé comme les marques dans ton corps, dans ton sang, dans ton âme, dans ta maison, sur ta vie. Annule les mains noires, dis toutes mains noires hein, qui étaient les symboles de l'impureté dans ma vie, soit annulé au nom de Jésus. Commence à annuler le mariage de nuit, c'est l'impureté. Annule le mariage de nuit. Amaracha karabasa karababa. Au nom de Jésus, commence à annuler mariage de nuit. Brise l'impureté de nuit. Brise l'impureté de nuit. Brise le mariage du péché, commence à briser au nom de Jésus. Yarabashé Kerebaba, qui t'a arrêté d'aller dans la profondeur, l'esprit impur t'a arrêté d'être rempli de la gloire de Dieu. Commence à menacer l'esprit impur, la vie du péché, les sentiments de doute, chasse-les au nom de Jésus. Les blessures intérieures, commence à chasser dans ta vie, dans ta maison. Chasse les esprits impurs qui a donné la tétillesse, qui a donné le mauvais caractère dans les sangs qui viennent de tes ancêtres. Au nom de Jésus, Rachel, maintenant tu vas détruire toute loi de doute et de l'incertitude que le diable a planté sur ton système de ton ADN. On va les détruire. Détruire cette loi, ce cycle, détruis-le au nom de Jésus. Commence à détruire toute loi des cycles de doute, toute loi des cycles de peur, toute loi des cycles de l'impureté que le diable avait posé sur toi. Je les détruis au nom de Jésus. Au racheke baba, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire au nom de Jésus-Christ. Commence à détruire tout cycle de l'impureté, toute loi de doute, désagréable, des mauvais sentiments que le diable avait posé en toi. Commence à les briser, brise-les au nom de Jésus. Brise les chaînes de loi établir au nom de Jésus. Yeka sakaraba santa raba kanda sheke rataba sheke mama yakaba santé renama sheke baba. Commence à briser tout le cycle des lois établir. Ils ont établi les cycles de peur, cycle de la doute, cycle des sentiments, les doutes qu'ils ont établis comme un cycle. Brise-les dans ton sang, brise-les dans ton âme, dans ton cerveau, dans les cerveaux de mon mari, dans les cerveaux de mes enfants. J'ai détruit les cycles d'incrédulité. Commence à détruire toute loi des cycles de l'incrédulité que le diable avait établi dans ton cœur. Commence à les détruire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est là, cette soirée va détruire au nom de ta journée, c'est aujourd'hui. Mal qu'ils ont médité va changer en bien. Commence à détruire au nom de Jésus. Rachel Kereba Santara Baba Rebaché Keba Baba. Commence à détruire tout cycle de sentiments d'incertitude, tout cycle désagréable que le diable avait planté. Et si quelqu'un peut avec moi, on est dans les temps de prière. Tu vas les déraciner. Tu vas déraciner toute loi des cycles de l'impureté que le diable a posé dans ton corps, dans les corps des membres de ta famille. Au nom de Jésus, commence à les déraciner. Déracine cette semence, déracine cette semence. Au nom de Jésus, je déracine toutes les semences la nuit. Au nom de Jésus de l'impureté, que le diable vienne semer sur mes enfants, sur mon mari, sur mon corps. Je les déracine dans les champs qui est ma maison, dans les champs qui est mon mari, qui est mes enfants. Au nom de Jésus, je déracine. Au nom de Jésus, je déracine tout cycle.
oh, des lois établies de l'impureté qui vient de ma famille, qui vient de l'entourage, soient déracinées. Les mains noires soient déracinées dans mon corps. Au nom de Jésus, je déracine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, commence à déraciner tout cycle de l'impureté qu'ils ont posé dans ton corps, qu'ils ont posé dans ton corps. Le racheke maya kaba santa rabacheke, reba shakara ba santa rabacheke, reta bacheke ba ma santa rabacheke, rata bacheke reba ba santa, rama shokore ba santa, reba ma sheke ba ma, reba sheke. Tu commences à détruire toute loi de cycle, cycle que le diable avait établi en toi. Cet cycle de l'impureté, tu commences à les déraciner. Déracine-les au nom de Jésus. Tout ce qu'ils t'ont semé, ils ont semé dans ton ADN, dans ton sang, dans ton âme, sur tes enfants d'Amérique. Ils ont semé dans les champs qui est ta famille. Déracine-les au nom de Jésus. Je déracine toute semence de l'impureté qu'ils ont semé dans cette église, qu'ils ont semé dans ma famille. Je les déracine dans mon champ, dans les champs qui est le corps de mon mari, les champs qui est mon corps, qui est le corps de mes enfants, dans l'âme, de l'esprit, dans le corps. Je déracine, déracine à l'âme. Dis, je déracine toutes les lois des cycles de l'impureté que le diable a établi, comme les émotions sur ma vie, des doutes désagréables, la vie du péché, les désirs. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un va descendre le feu. Maintenant, commence à consumer. Consume toutes les racines de cet cycle-là qui vient te souillir. Au nom de Jésus, rattache à ma maman. Commence à consumer. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu dévorant. Au nom de Jésus, je consume par le feu de Dieu, je consume tout au cycle de l'impureté, des lois établies, de ceux qui m'entourent, qui viennent de ma famille, associés avec ceux de ma famille, ceux qui ont approché mon mari, approché mes enfants, m'approcher avec le cycle de l'impureté. Je le consume au nom de Jésus. Je brise cette cycle d'impureté nuit et jour dans ma maison, dans les champs qui est ma famille, dans les champs qui est mes enfants. Je le brise au nom de Jésus. Tout au cycle de mal, cycle de l'échec, cycle de doute, cycle de renvoûtement, tous ceux qui m'ont approché avec le cycle de l'impureté. Au nom de Jésus, je vous brûle par le feu dévorant. Je vous consume au nom de Jésus. Vous attachez que vous m'accandez à Santa. Que le feu, le salaire de feu descend sur vous. Commence à consumer. Je brûle, je brûle, je brûle. Cycle, consume le cycle. Consume le cycle. Consume le cycle. Commence à consumer tout cycle de l'impureté. 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 Commence à consumer cycle d'impureté. Au nom de Jésus, je consume par le feu. Je brille les cycles de l'impureté. Ramacheke ma santa, ramacheke. Rema ma santa, ma racheke, reba santa. Reba ma sheke, reba santa, ramacheke, reba santa, santa. Rama ma sheke, reba santa, ramacheke. Au nom de Jésus, commence à briser les cycles de l'impureté. Commence à briser l'esprit de l'impureté qui agit de l'intérieur de âme, esprit, corps. Consume-le par le feu. Brille-le au nom de Jésus. Christ, ma sheke, ma santa. Rema shekereba santa, rama shekereba santa. Rema shekereba santa. Je consume, je consume, je consume. Je consume, je consume, je consume. Je consume, je consume. Cycle d'incertitude, cycle de l'incrédulité, cycle de l'impureté. Soit consumé, soit brûlé. Au nom de Jésus, je déracine. Tu vas déraciner tous les caractères que le cycle de l'impureté a posé en toi et les gestes qui n'est pas, qui glorifient pas Dieu. Peut-être que toi-même tu ne les vois pas, mais les autres personnes te voient. Est-ce qu'on peut déraciner ces gestes? On peut déraciner ce cycle-là? Non. Au nom de Jésus-Christ, je déracine les cycles de impureté, qui a posé des gestes, qui a posé des caractères, soit consumé, soit brûlé par le feu dévorant. Je consume tous mes cycles. Commence à consumer les cycles des gestes de l'impureté que les diables veulent semer la nuit. Les cycles désagréables de mauvais caractères, soit brûlé dans mon sang, dans les sangs de mon enfant. Je consume tout cycle de semences du diable, soit brûlé au nom de Jésus. Je consume par le feu de Dieu tout ce qui nous approche avec les cycles sataniques, avec les cycles de l'impureté. Oh, les désirs de l'impureté soient consumés par le feu, soient consumés par le feu. Au nom de Jésus-Christ, Remache, Rema Santa, Remacho, Korema Santa. Je consume, je consume, je consume. Cycle de l'impureté, cycle du diable, cycle satanique. Au nom de Jésus, Remache, Rema Santa, Remache. Tu vas détruire tout symbole de l'impureté que le diable a posé dans ton sang, qui était comme loi établie de ceux qui t'entourent
et ce qui vient dans ta famille et dans l'entourage. On va détruire tout cycle des symboles qu'ils ont posés en toi. Ça soit les cycles d'alliance, de mariage, ça soit les bagues qui t'ont mis, ça soit leurs mains qui t'ont posé sur toi. Commence à consumer, à brûler au nom de Jésus. Toute relation qui t'a tiré l'impureté, toutes ceux qui t'ont approché avec l'impureté, ceux qui t'ont approché avec l'alliance de l'impureté, le mariage de l'impureté, au nom de Jésus, je vous consume par le feu. Je brûle toute alliance de mariage de l'impureté la nuit. Soit brûlée, soit consumée dans cette église. Tous ceux qui ont venu avec l'esprit de l'impureté pour faire des sentiments désagréables, pour déposer des alliances, des mondes du diable, des mondes des ténèbres, je les brûle par la puissance du nom de Jésus. Je descends le feu. Je commence à consumer tout le symbole qu'ils ont posé à travers à travers les cadeaux, à travers les hommes t'ont donné, à travers les mains que tu as saliées, à travers les mains qui t'ont touché. Brise leurs symboles au nom de Jésus. Je brise toute alliance. Brise les alliances qu'ils ont mis sur toi. Brise-les au nom de Jésus. Tout ce qui est symbole de mariage de nuit, au nom de Jésus, de l'impureté, consume-les par le feu. De tata cheke baba santa baba cheke baba santa. Remache que maman santa, retabache kreva santa, retabache kreva santa, rebache kreva. Commence à consumer, commence à consumer tout le cycle de l'impureté. Quel symbole qu'on t'a posé au nom de Jésus. Peut-être que leurs mains t'ont touché, peut-être qu'ils t'ont posé quelque chose dans ton cou, peut-être qu'ils ont posé quelque chose dans ton corps, peut-être qu'ils t'ont mis les marques des habits. Toi, Joseph avait abandonné. Dis, je me débarrasse. Dis, débarrasse-toi. Dis, aujourd'hui, je débarrasse de toutes les symbole, ça soit dans mon sang, ça soit dans mon âme, ça soit dans mon esprit, dans ma conscience, mon mari, mes enfants, nous débarrassons de la tête au plan de pied, tout ce qui était leur symbole, soit débarrassé aujourd'hui au nom de Jésus. Débarrasser les symboles de l'équité, les symboles de transgression, les symboles du péché, les symboles de malheur, débarrasse-toi au nom de Jésus. Joseph a laissé la femme de Potiphar les habits, il a dit, je te vends le péché, prends, dis au nom de Jésus, je vais débarrasser les achats. Toutes mains noires qui m'ont approché, qui a approché mes mains, qui m'a touché. Je me débarrasse la nuit et jour. Je débarrasse tout ce qui est du diable dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma maison. Je débarrasse dans mon côté, côté de mon mari. Au nom de Jésus, je débarrasse sur mes enfants. Débarrasse leurs symboles. Rattachez que maman. Débarrasse leurs symboles de l'échec. Débarrasse leurs symboles diaboliques. Les mariages de nuit, toutes les relations. Débarrasse à te débarrasser d'eux. Débarrasse-les. Au nom de Jésus, débarrasse-les dans ta vie, débarrasse leurs sentiments, débarrasse tout ce qui est désagréable, débarrasse leurs doutes, débarrasse au nom de Jésus, Rachekereba Santarababa Shekebaba. Commence à débarrasser l'échec, débarrasser la maladie, débarrasser le divorce, débarrasser le malheur, débarrasser la malédiction, débarrasser la haine, débarrasser tout au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va se débarrasser de tout. Débarrasse, tu veux aller de la maturité, tu vas te débarrasser de la vie du péché au nom de Jésus. Toute graine du péché qui était entrée dans ta maison, dans la vie de ton mari, de tes enfants, ta femme, dans ta vie, au nom de Jésus, aujourd'hui tu vas te débarrasser. Débarrasse-toi, débarrasse tes mauvais sentiments. Et c'est quelqu'un qui me dit vivement, au nom de Jésus-Christ, dis au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit impur qui vivait en moi, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon corps. Je leur donne, au nom de Jésus-Christ, de quitter ma vie. Et de sortir, tout ce qui me bloquait, de ne pas aller dans la profondeur, tout ce qui me bloquait, de ne pas chercher Dieu dans la profondeur. Aujourd'hui, toute barrière tombe dans ma vie, dans mon cerveau, dans mon cœur, tombe, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, j'invoque le feu de Dieu d'entrer dans mon corps, de consumer, de brûler tout sentiment de doute, désagréable, d'incertitude qui vivait en moi. Soit consumé. J'ai des racines. Toutes lois établies, des cycles de l'impureté qui a été semé
dans mon corps, des membres de ma famille et de ceux qui m'entourent. Je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je brise tout mariage des symboles, des nuits dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Au nom de Jésus. Ça soit dans l'inconscient, dans le subconscient. Tout mariage, toute relation qui a été collée avec moi, qui est impur, je me détache. Je me détache. Je me détache. Au nom de Jésus-Christ. Je me détache dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je me détache. Je me détache. Toute relation qui m'a approché avec impureté, je le chasse. Au nom de Jésus. Dans ma vie. De partir aujourd'hui. D'aller dans les restes arides. Je chasse. Monde invisible. Qui travaillait avec ma bénédiction. Tout magasin. Qui cherchait la taille de ma vie. La taille de ma bénédiction. Envoie le feu. Envoie le feu dans tout magasin. Tout entrepôt. Qui cherchait la taille de ta vie. La taille de ta bénédiction. Pour que les diables servent ça. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont des envoyés du diable. Que les diables les approchaient. Pour venir voler la taille de ta vie. Envoie le feu. Le feu. Le feu. Commence à brûler leur magasin. Tous ceux qui veulent des magasins de deuxième monde. Tous ceux qui se veulent s'investir. À cause de ta taille. Au nom de Jésus. Envoie le feu dévorant. Commence à le brûler. Brûlé par la puissance de nom de Jésus. Détruis-le par le feu. Détruis-le par le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu. Envoie le feu. Que leurs magasins soient détruits. Que leurs entrepôts soient détruits. Là où ils ont fait les entrepôts. Dans le monde invisible. Les magasins qu'ils ont fait. Selon ta taille. Selon ta vie. Selon ta famille. Que le feu de Dieu descende. Selon ta destinée. Brûle par le feu dévorant. Au nom de Jésus. Par le feu de Pentecôte. Commence à les consumer. Au nom de Jésus. Brûle-les. Brûle-les. Détruis cet magasin. Écrase cet magasin. Qu'ils ont fait dans les tailles de ta vie. Dans les tailles de ta destinée. De tes enfants de ton mari, écroule-les. Les tailles de ta vie chrétienne commencent à les détruire leurs magasins. Ils vont faire les faillites aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont pleurer. Au nom de Jésus, écrase-les. Écrase-les au nom de Jésus. Ravacheke, commence à les détruire. Détruis leurs magasins jusqu'à la fondation. Détruis leurs articles. Brûle-les par le feu. Au nom de Jésus, commence à les consumer. Dis au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont volé les tailles de ma destinée, je les récupère. Au nom de Jésus. Je récupère la taille de ma destinée. Au nom de Jésus, je récupère la taille de cette église. Au nom de Jésus, je récupère la taille de cette église. Dis au nom de Jésus, je récupère la taille de cette église. Au nom de Jésus, dis je récupère la taille de cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous récupérons la taille de cette église. Est-ce que quelqu'un veut prier de récupérer la taille de croissance? Récupérer la taille de croissance. Récupérer la taille de croissance. Récupérer la taille de miracle. Récupérer la taille de bénédiction. Récupérer la taille de bénédiction de cette assemblée. Nous les récupérons au nom de Jésus. Nous les récupérons là où l'ennemi est parti les cacher. On va aller chercher les trésors cachés. Allez chercher ton trésor au nom de Jésus. Tout trésor de cette église que l'ennemi avait caché. On part les chercher sous l'eau, sous la terre, dans les corps des hommes, dans les corps des enfants, dans les corps des adultes, dans les corps des vieillards, sous l'eau, sous la terre, dans quelle couche des espaces, sur la terre. On va les chercher, on va les creuser, on va chercher la bénédiction de cette assemblée. Allez chercher les trésors, allez chercher les prix de la richesse de cette église. On part chercher les trésors de joie, trésors de croissance, trésors de la chèque. Ils ont caché dans leur corps, ils ont caché dans leur conscience, ils ont caché dans leur biconscience, ils ont caché dans leur âme. On part dans les casseroles, dans leurs bouteilles, dans leurs corps. On va chercher dans les magasins des deuxième monde. On va chercher la taille de cette assemblée, la taille de gloire, la taille de gloire de cette église. On les cherche au nom de Jésus. La taille des réussites, nous les cherchons au nom de Jésus. Maintenant, tu vas chercher les tailles de ta réussite. Va chercher la joie. La joie de l'éternel est ta force. Va chercher dans les champs. Cherche dans les champs de Dieu.
Dis, je cherche ma taille de ma richesse. Va les récupérer là où ils ont caché. Va les récupérer au nom de Jésus. Récupère les trésors cachés qui est ta santé. Récupère les trésors cachés qui est l'élévation, la renommée, la victoire. Allez les chercher au nom de Jésus. Je vais les récupérer. Toutes les trésors cachés de mes enfants, de mon mari, de ma vie, de mon foyer, de notre ministère. Là où l'ennemi est allé cacher. J'entre dans les champs. Je vais les chercher. Commence à chercher toutes les trésors cachés. Ta richesse, ta santé, l'élévation. Ah, cherche-les au nom de Jésus. Cherche la taille. Cherche la richesse. Cherche la gloire. Ta taille de ta vie. Là où ils ont parti cacher. Allez les récupérer dans les marabouts, dans les sorciers, dans l'occultisme. Va récupérer là où ils avaient caché ton trésor. Ils ont caché ta richesse dans le corps d'un homme, dans le corps d'une femme, dans le corps d'un enfant, dans le corps d'un jeune garçon. Va chercher les trésors de bonheur de ta vie. Au nom de Jésus. Dans les voisins, dans ton entourage, dans ta famille, côté ton père et ta mère et ceux qui t'entourent, qui t'ont volé la taille de ta trésor. Nous les cherchons, ceux qui m'appartiennent. Je cherche ceux qu'ils ont volé dans ma famille, c'est mes enfants. Cherchez-les, cherchez-les. Récupère tous ceux qui t'ont volé. Va les récupérer les trésors. Allez dans les champs, allez dans la profondeur, allez dans la maturité. Va récupérer ton mari, récupère tout ce qui t'ont volé. Récupère ta femme, récupère tes enfants, récupère l'étude, récupère ta santé, récupère ta joie, récupère tout. Au nom de Jésus, récupère ta richesse, récupère la rachette. Commence à tout récupérer, commence à tout récupérer. Entre dans les champs du trésor, va récupérer tout ce que l'ennemi avait caché, va les récupérer au nom de Jésus. Récupère tout. Dans quel domaine qu'ils ont caché, dans quel trou qu'ils étaient allés cacher, dans quelle maison, va aller, dis au nom de Jésus, j'entre dans le corps d'un homme et une femme, je vais récupérer dans le deuxième monde, ça soit dans ma famille, côté mon père et ma mère, mon mari côté son père et sa mère, ça soit des connaissances, tout ce qui vient à l'église, tout ce qui t'ont volé, récupère les trésors cachés, récupère-les, au nom de Jésus, sous l'eau, sur la terre, dans les couches d'espace, quelle couche d'espace, sous la terre, récupère dans le corps d'un homme et une femme, récupère, là ils ont caché dans les cimetières, récupère dans les casseroles, dans les bouteilles, dans les livres, récupère au nom de Jésus, récupère, arrache que maman yaba sekere baba, récupère les trésors cachés, récupère les trésors cachés, récupère les trésors cachés dans des rivières, dans les océans, dans des mers, récupère dans des fleuves, dans les sources, récupère dans la terre, récupère dans les nuages, récupère quel domaine qu'ils ont parti cacher toutes les trésors, ta santé, ta paix, ta joie, tout ce qui appartient, bonheur, récupère. Au nom de Jésus, commence à récupérer tout ce qui t'ont volé. Récupère-les, ta vie chrétienne. Récupère les trésors de ta vie chrétienne. Récupère la maturité. Récupère la croissance. Tu ne veux pas rester bébé. Tu as besoin de grandir. Dis, je récupère à grandir. Je vais aller dans la profondeur pour grandir en Christ. Dis, je déclare à grandir. Dis avec moi, je déclare à grandir en Christ. Déclare encore, je déclare à grandir en Christ. Déclare encore, je déclare, je vais grandir en Christ. Je vais la maturité cette soirée. Je vais aller dans la profondeur pour connaître encore plus de Dieu. Plus de Dieu dans ma vie. Plus de Dieu dans ma vie. Plus de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dis, je vais aller encore dans la grandeur pour entrer dans la profondeur. Pour connaître encore Dieu plus, pour aimer encore Dieu plus dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut dire Amen. On acclame le Seigneur. Merci encore, Seigneur. Merci pour ce temps ici. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, il est le Dieu des miracles. Que son nom soit béni. Nous bénissons l'Éternel. Dimanche, nous sommes là. Soyez bénis. Notre Dieu est bon. Invite quelqu'un. Toi qui grandis, la maturité ne t'amène pas celle. La maturité cherche quelqu'un à fortifier. Cherche quelqu'un à fortifier. Prends la décision de mettre que Dieu en première position, que toutes les choses viennent après. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai prié pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, bénis encore. Celui qui va amener dans la maison des trésors. Et c'est là qu'on va, on va trouver les trésors cachés. Bénis encore ceux qui donnent des dîmes. Menace ceux qui viendra pour les menacer. Au nom de Jésus-Christ. Bénis cette assemblée, bénis toute activité de cette église. Nous bénissons aussi, dimanche nous sommes là. C'est le parfum de vie, nous bénissons cette activité de parfum de vie. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Et c'est quelqu'un qui dit un bon Amen. Bien aimé, dimanche nous serons là le matin à 10h30
à notre église comme d'habitude, mais à 4 heures, nous serons en ligne. Nous avons notre invité, qui est le pasteur de Montréal, qui sera avec nous dans les temps des parfums de vie. Tu seras béni. Je t'assure que Dieu a commencé avec nous. Parfum de vie béni des familles. J'ai vu beaucoup de gens soutenir le parfum de vie. Ça bénit beaucoup de familles et ça restaure beaucoup de situations. Si tu désires plus, le Seigneur t'ouvrira encore les yeux plus. Invitez quelqu'un pour le matin, invite quelqu'un pour le soir, pour parfum de vie. Et le Seigneur est avec nous. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que les miracles vous accompagnent. Venez ici dimanche et témoignez encore Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen.